Hop, donc bienvenue sur Sébastien TV, donc deuxième partie de Infamous Second Son sur PlayStation 4 qui l'a en exclusivité. Donc je rappelle que pendant la première partie, donc le héros Delsin Rao, Akomish, donc une tribu indienne, se rend compte qu'une certaine, je me souviens même plus de son nom encore une fois, on va l'appeler Géraldine, qu'une certaine Géraldine a le pouvoir du béton, recherche à capturer tous les porteurs, à bétonner, j'ai envie de dire entre guillemets, toute ma tribu, donc moi Delsin qui a un pouvoir de éponge à porteur, on va dire ça, hein. Je suis un peu comme Malicia dans X-Men, chaque fois que j'en touche un, pof, je gagne son pouvoir, c'est magique, c'est trop bien. Donc, je suis une éponge à pouvoir, j'ai chopé un pouvoir, le pouvoir de la fumée, donc qui me permet de jeter des boules de feu, faire des sauts de ouf, hein, ça vous le verrez. Donc voilà, je viens d'arriver à Seattle, je me rends compte que le DUP, donc le département d'unité protection contre les porteurs, un truc du genre, a pris la totalité du contrôle de la ville, et donc moi je suis là pour les niquer. Donc voilà, Delsin, hop, voilà, exemple, voilà, le petit pouvoir, hein, si vous avez pas vu la première vidéo, hop, deuxième pouvoir, hop, troisième pouvoir, oh là, t'as de la chance, hop, ah ça, mon pouvoir préféré, c'est le... J'aurais pas entendu parler de ces relais de Noël. Pouf! Ouais, bah, celui-là, c'est mon préféré. Hop. Hop. Vous voulez voir la fumée? Donc, avec cette fumée-là, je peux recharger mes pouvoirs. Bon, là, ils étaient déjà pleins, donc on s'en fout. Cool. Hop. Je t'envoie les emplacements sur mon mobile. Pour que tu leur extorques quelques pouvoirs de plus? Non. Oublie ça. Waouh! Mon propre frère veut que je combatte le méga giga bioterroriste qui fout les jetons, mais tout ça avec moins de pouvoir. Hé, hey, j'ai pas non plus dit ça. Bon. Faudrait pas non plus les vexer. Moustique. Faut mieux filer tout droit chez Augustine et qu'on en finisse une bonne fois. Je sais pas trop ce qui va se passer. D'accord. Donc voilà, ça c'est le DUP. Je peux détruire tout ce qui est. Tous les bâtiments du DUP, je peux le détruire. Toute leur, leur structure. Donc voilà, c'est cool. Pas sûr qu'un placard cache un porteur longtemps, mais j'apprécie que t'aies envie de m'enfermer. On va commencer par détruire leur caméra, non. On va y aller franco. Aïe. Oh, yep. Oh, ça fait mal. Ouïe. Voilà. Carnage. Wow. Mais c'est qu'ils m'ont envie de... Hop, on va s'enfuir vite fait. Hop là. Voilà le système de vie, hein. C'est un peu comme dans les Call of Duty, hein. C'est pan. Ah, 2 minutes plus tard, je vais beaucoup mieux. Comme dans la vraie vie, quoi. Aïe. Et j'en ai marre qu'il saute comme ça. Ah ouais, au pied. Oh lolo. Au pied. Aïe, j'ai plus de pouvoir. On va bien trouver ça quelque part. Ouais, c'est un petit fifou aussi, il saute partout. Il est trop fort. Il y a pas de fumée ici si je fais exploser ça. Voilà. Petit peu de fumée. Donc c'est ce que je dois détruire. Ah ouais, t'es comme ça, toi, tu me prends par derrière. T'es le genre de mec, toi. Ah, tu vois, moi je fais les choses en face. Tu prends cher.
prends. Aïe 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 aïe. Allez, on t'exécute. La peine de mort. Vous êtes combien, les gars? Alors, il me faut de la fumée. Ah, là, il y en a de la fumée. Oh, j'ai détruit le tyrannosaure. Bon, on dirait qu'il en reste plus qu'un. T'as le choix, mon gars. Non. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, toi? Hein? Bon, allez, on va essayer une petite maîtrise. Pas terrible. Alors, pouf. Pouf. Donc voilà, oui oui, la caméra de la PS4 donc repère ma main, donc je suis obligé de donner des coups pour non je déconne, c'est pour le fun. Ça aurait pu être cool. On aurait eu l'air con devant nos télés, mais ça aurait pu être cool. Hop hop, oui, ça a explosé, j'ai plein de fragments, ça sent l'amélioration. Hop. Pas de nouveau pouvoir, juste des améliorations. Ça avec autre chose qu'on peut avoir un nouveau pouvoir. Tout cassé. Je sens des caméras dans le coin. Ça le voit ailleurs. Donc 4 fragments, 0 amélioration. Super. Continuons. Ah oui, donc sur la carte, il y a toujours ça. Petit drone. Ch'touk. Oh bah là, GG. Hop. Tombé à mes pieds. Ah, une amélioration, une amélioration. Est-ce que c'est intéressant? Bien sûr que c'est intéressant. Hop. Donc là normalement il y a encore des drones dans le coin. En tout cas n'oublions pas que tu gardes l'avantage du nombre. Hein frangin? Tu calcules ça comment? Parce qu'un mec seul est beaucoup plus rapide, léger et discret. Et puis comme ça il te sous-estime.
vont avoir une sacrée surprise. Je vais me rendre service et leur expliquer ça. Peut-être qu'ils renonceront. Hein? Et gâcher la surprise au dernier moment? C'est pas faux. Non, mais il est galère lui! Bon alors attends, c'est qui là? Hop hop hop! Mais non, il est là! Voilà. Bon là, ce drone qui me fait rager là, il est où? Le meilleur pouvoir pour viser c'est Néon, parce que lui il a quand même un petit temps de latence. Rage, il y a des postes de contrôle et des caméras à peu près dans tous les coins. Ça, c'est l'avantage indéniable de jouer à domicile. Sauf que c'est même pas le même ici. À quelle heure dire ça? Donc là, si j'ai bonne mémoire, c'est pouvoir projeter des missiles, des gros gros missiles de feu. Ouais, c'est bien ça. Bon, on va l'essayer. Ok, donc par là, c'est pas une option. Il faut que ça marche. Oh bon. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on barre. Oh, vous pouvez voir sur la petite carte des petits trucs en rouge, donc forcément c'est en rouge c'est karma mal, en bleu c'est karma bien. Donc vous pouvez voir en haut, un peu sur la droite, enfin en haut sur la petite map, une petite seringue s'arrêter des drogués pour être en karma bien, et donc le en rouge le signe, ouais, c'est pour arrêter le hop, le panneau, voilà. Le petit panneau, donc voilà, là où je suis. Donc voilà, c'est les gars qui manifestent. Non, non, non. Oh, porteur. Oh, oh, wow, 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 c'est trop bien. Oh, c'était trop bien. Oh, j'ai kiffé. Donc, oui, bon, bah maintenant, je vais les retrouver. Oh là là, ça fait loin. Ah, c'était trop bien. Ah, oui, oui, j'ai le pouvoir de pas pouvoir me faire faucher par un tramway à toute vitesse. C'est trop la classe, non? Donc voilà, c'est eux. Donc eux, on les nique, parce qu'ils font non, non, non. Oh, bioterroriste. Pouf. Tiens, de la part d'un bioterroriste. Elle, tu te sauves pas, toi. Bon ben, ils sont tous morts. C'est cool. Bon, on continue, je trace ma route. Wouah, je t'ai passé au travers. Wouah, tu comprends rien. Tout cassé. Ouch. Vous êtes des citoyens innocents que le DUP a enfermé. Je vais vous tuer. C'était trop. Ouais. Moi. Hop là. Petit moustique qui se balade, il est casse-couille. Bon. Oh, les musiciens, c'est mes préférés. C'est eux là. C'est eux. Les gars, ils jouent de la musique. Ouais, non, 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 la musique. Ta gueule. Oh! T'as reçu un missile dans la tronche, t'es pas mort? Bah, c'est incroyable. Incroyable, il est résistant. Hein. Quel est le plus proche? De toute façon, je dois aller aux deux. Oh.
Wow, calmez-vous les gars. Mon pouvoir préféré de fumer. Je sens que pouvoir ça faire des gros coups pendant que je saute. Oui. Celui-là est jouissif. Voilà, vous avez compris. Pas mal, hein, je le refais. Oh, t'avais fait au cul toi aussi. Oh, ça peut exploser fort ça. Pas plus que ça. Il est où? Il est là. Alors, hop, dernière petite mission. C'est quel pouvoir déjà? Je peux voler un missile. Je ne sais plus. Pas pour dire vieux, mais au rythme où mes pouvoirs augmentent, je crois que dès le prochain ou celui d'après, je pourrais me la faire. Ok, moi je crois que tu vas te calmer, Camille. Je te rappelle qu'elle vient de réduire en miettes un pont de béton et d'acier, tu te souviens? Ok. Alors toi, tu crois qu'un pouvoir de plus suffira pas? Oui, c'est ce que je crois. Tu crois que le DUP fait pareil dans toutes les villes où ils sont appelés? Ouais, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Pourquoi les gens laisseraient faire ça? Parce que tant qu'ils sont pas au mur. Ah oui, mes petites mines. Pas l'envie pour la liberté ou la recherche du bonheur. Oh, je la sens bien la petite. Tabagisme passif, tu aussi? Reggie, j'ai usé tous les relais de noyaux que t'as envoyés. Allez, mec, j'en veux d'autres! Non, écoute, ça va comme ça. Ce truc de bioterroriste te travaille un peu trop, je trouve. Il faut que t'ailles te faire discret quelque part, que tu te reposes un peu. Pourquoi t'insistes avec ce truc de se faire discret? Je vais bien, c'est cool! J'en veux plus! Non. Je bosse sur une piste possible avec un inspecteur de Seattle. Mais on fera rien de plus tant que je serai pas sûr que t'as retrouvé tes esprits. Ok, je vais faire discret. Comme si je savais ce que c'est. Policiers, ils sont où? Donc voilà, hein, papa. Il y avait des policiers? Non! Faut se réveiller, il va foutre du café. In. Sur le réseau de communication centrale du DUP. Bon, fini de rigoler. Place aux choses sérieuses. Hop là, Space Needle, pouf, fameux grand monument de Seattle. Ouais, comme par hasard, toi tu résistes. Yep. Me voilà la Space Needle. Éliminer les ennemis, bien sûr. No Susai.
Je vous montrais, je parlais dans la première vidéo des tags. Donc là par exemple j'aurais le choix voilà entre coupe chou, donc en karma mauvais, par là-bas, hop, en karma mauvais, ou hop, la grande invasion, en karma bon, tu vois, donc hop, on retourne la manette, on la secoue. Et là, on s'éclate. Mais il est où mon truc, elle est. Hop, enfin on s'éclate, on peut. C'est, malheureusement c'est pas nous qui choisissons les pochoirs, ça aurait été vraiment top. Mais voilà, les pochoirs sont vraiment très 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 réussis, ils sont vraiment bien marrants. Ils sont stylés, ouais, ils ont la classe. C'est du bon boulot. Hein. C'est du très très bon boulot qu'il nous fait lui. Hein. Ah, vous avez vu, ah, la classe, un petit vieux. C'est trop stylé. Non, je déconne. Petit vieux, forcément, il va découper des têtes. Ah là, ça change tout. Mais c'est pas mon préféré. C'est un des premiers qu'on fait, mais c'est pas mon préféré. Celui-là. Ok, Reg, je suis devant et t'avais raison. La Needle est couverte de tout un tas de merde électrique. Et le revêtement en alu, c'est carrément n'importe quoi. Je vais devoir grimper au sommet de la Needle. Le temps est splendide. Je vais escalader. Hey, non, c'est du délire. Exact. C'est trop délire d'être génial. Ouais, j'ai réussi à niquer le moustique, je suis content. Alors, on va monter sur la... Oh, ça va faire mal, ça. Vous voyez là-bas, encore sur la petite map, il y a des manifestants. Juste là. On a pu. Ah oui, c'est pas des manifestants, c'est des activistes. Bon, je sais pas s'il y a une grande différence. Et qu'est-ce qui pourrait bien expliquer le fait que je puisse drainer le pouvoir de certains porteurs, genre Hank, par exemple, et pas des autres, comme voyons, allez, disons un de ces chers soldats du DUP. C'est pas vrai, mais il l'a fait, cet abruti. Hey, Reg, commence pas avec « je t'avais prévenu », je voudrais seulement une réponse. Oh. Je croyais que le DUP les avait bloqués au sol. Eh ben, je pense, hypothétiquement, théoriquement, que tu peux drainer les pouvoirs d'un porteur uniquement s'il les a naturellement. Un porteur zéro, comme Hank, ou j'espère Augustine. C'est d'elle que le DUP a reçu ses faibles pouvoirs. Sans doute pour ça qu'ils peuvent pas les transmettre, même à toi. Donc tu dis qu'il faut continuer comme ça. 5 sur 5. Là, tu me cherches. Mais la prochaine fois, plus de mensonges, d'accord? Essaie de faire un peu plus confiance à ton frère. Foufoufou. On va partir de là. Ouais, vous voyez, il y a des échelles. Mais moi, je prends pas les échelles, moi. Tu vois, quand il pleut, je prends pas de parapluie. Ah ben voilà. Putain, encore Betty. Ah, elle casse les couilles. Tu m'as raccroché au nez. Ta gueule, ta gueule. C'est bien. On est parti. Il lui a dit ta gueule en gros. Oh ouais, c'est bon en plus. Ça l'empêche, pouvoir ou pas pouvoir, escalader comme ça, il est chaud le gars. Ouais, c'est pour le moment de tomber, bah. Ouh. Belle vue. Ouais, la vue est magnifique. Mais carrément. Ah bah je préfère ça. Je suis sur le pont d'observation. Reste prudent surtout.
est. Je suis devenu un criminel. Comment il est plus? Je croyais qu'il y en avait plus que ça. Oh, dommage. Bon, bah non. Oh, belle paire de chaussures. Ok, c'est maintenant qu'on crève l'œil de la Needle. C'est sans doute ça qui fait tenir le tout. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, je t'avais encore jamais vu, toi. Ah oui, c'est pas Géraldine, c'est Augustine. Reg, donc c'est carrément une armée qu'ils ont ici. Bien! Bon endroit. Ou alors, ils aiment vraiment pas que les autres s'amusent avec leur jeu. Allez, c'est pas le moment, Destine. Est-ce que tu vois un moyen de couper les communications? Ouais, il y a une sorte d'encre. On dirait que ça maintient tout le temps en place. Bien fait! Je crois que t'aurais pu faire un de ces sauts, toi, si t'avais réussi. Bon, un peu de méchant. On n'a plus qu'à casser ça. Je crois pas que ça pourra le couper. J'ai jamais eu de problème en me servant de nouveaux pouvoirs. Alors là, c'est le l'ulti de Delsin avec le pouvoir de fumer. Ça fait très mal. Et en plus, c'est magnifique. Ouais, c'est épique. Être subtil, c'est pour les nazes. Mais quel trip! Bah, juste là. Bon, vu que Reggie ait rien loupé de la scène. Et donc, voilà à quoi ressemble l'ulti de Delsin. Rien de Center District, je vous ai perdu. Vous me recevez? Je n'ai pas de signal, chef, et vous? Rien au-delà des abords immédiats. Ouais, Reggie! Allons choper notre porteur zéro pour leur piquer plus de pouvoir. La ville nous appartient! T'excites pas, un petit bout. Pas plus que ce quartier, en fait. Le DUP contrôle toujours les 98% restants. Mais on les a virés de la Space Needle, mon gars! Ça a neutralisé leur centre de com, c'est tout. Ils sont peut-être sourds, mais ils sont pas débiles. Ça va prendre un bout de temps de virer tout le DUP de Seattle. Et on vient d'arriver. Ouais, tu sais ce qu'on dit. Les plus grands voyages commencent tous par un petit coup de pied au cul. Qui dit ça? Alors, on va choisir notre logo. Alors, tapez 1 pour les deux aigles, tapez 2 pour les mains avec Seattle entre les mains, tapez 3 pour l'âne avec une tête bizarre, et tapez 4 pour la tête de mort dans la télé. 1, 2, 3. Tout le monde a choisi l'âne, donc on va prendre l'âne avec une tête bizarre. Ouais, bonne idée, c'est mon préféré. C'est le plus déjanté, c'est le plus rigolo. Hey Reg, tu vois quelque chose d'en bas? Tu déconnes? Je parie qu'on te voit depuis Portland. Je veux que le DUP sache que je suis là. C'est qui celui-là? Ah, Géraldine! C'est pas un des trois fugitifs? Donc, voilà. Partie 3. Non, 2, pardon. Oh là 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 là. Commence bien. Partie 2 de Infamous Second Son sur Sebostin TV.
Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à faire un petit j'aime, un petit commentaire, ça ferait bien plaisir. Et donc à la prochaine pour donc la troisième vidéo. Bye bye.